YouTube, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour continuer le petit event du festival, ou petit event, le festival, on s'en est dedans, mais pas encore, sous les carillons de l'esquisse pour faire le truc en coulisses. Un certain aventurier est occupé par une tâche particulière au port délibé. Et bah, c'est parti pour aller au port Ok, du délibé. coup, nous sommes ici un peu au port du port délibé, mais par ici, quoi. Et on va parler à Zaokin. Est-ce que la zone est en danger? Elle devrait l'être. Ah? Quelle galère. Bon, le A, oh, j'ai trop mal fait. Oh, mais c'est vous, voyageur. Pardon, j'avais la tête ailleurs et je ne vous ai pas vu. Bah, c'est qui lui? Quelque chose vous préoccupe? Oh, je sais plus qui c'est. Hein. Par contre, vraiment, c'est trop une tenue de Père Noël ce qu'il a. Hein. On dirait un truc de Noël, hein. Ah, c'est pas. Ouais. Dans le cadre du Festival des Lanternes de cette année, les membres de la guilde des aventuriers de Liyue ont été sollicités pour aider au bon déroulement des festivités. Bah, pas Père Noël, mais le truc de Noël, quoi. Oui. Les Mélilites s'occupent principalement des patrouilles en ville et à d'autres endroits importants, tandis que nous nous débarrassons des monstres et de ces vauriens de bandits. D'ailleurs, vous êtes un aventurier enregistré, non? J'ai déjà entendu parler de vos nombreux exploits. Ça vous dirait de nous aider un peu? Enfin, si ça ne vous dérange pas. C'est pas censé être les vacances. Oh, comme nous aidons le bureau des affaires civiles en pleine période de fête, nous avons une rémunération supplémentaire. Tu m'étonnes. Tous les aventuriers qui se portent volontairement pour ces missions seront en mesure d'obtenir plus de récompenses pour leur service. Juste par curiosité, combien à peu près? Une somme généreuse, croyez-moi. Ça dépend de ce qui reste à faire. Ah, je savais que ça vous intéresserait. Je vais indiquer tous les lieux confirmés par la guilde sur votre carte et prenez ce petit tube de tir. Dès lors que vous acceptez une mission, n'oubliez pas de tirer un signal avec quand vous aurez terminé. D'accord. Ensuite, nous enverrons quelqu'un pour marquer l'endroit comme sans danger. Enfin, nous mettrons à jour le plan selon les lieux qui auront été désignés. Ainsi. Désigné ainsi. Compliqué. C'est bien planifié. Ouais, mais je trouve, en fait, trop quelqu'un peut se faire voler ça. Et du coup, le gars tire en l'air. Tout le monde croit que c'est bon. Alors qu'au final, c'est une putain de planque de bandits. Et bam! C'est la catastrophe. Oui, on parle du Festival des Lanternes quand même. Tout doit être irréprochable. Bah, ouais, trop bien. Le personnel chargé de l'organisation est sur les nerfs. Enfin, je referai un point sur la situation. J'ai besoin de faire mon rapport à Alan plus tard. D'accord. Alan, à plus tard. Oh, c'est dur de lire, hein. Oh là là, finir les phrases, pour moi, c'est une catastrophe, hein. Ok. L'exposition. Accéder au défi. Ok, bah go. Du coup, on est ici sur la carte, hein. Voilà. Ok, du coup, nous nous retrouvons à l'endroit. Et il y a des poteaux à tuer. Oh, tiens. Ah mince. Un deux un peu tôt. Après il y a ceux-là. Genre c'est juste ça? Du coup ok, on récupère quand même le loot bien sûr. Hein. On en a jamais trop. Oh. Ouvrir. Ah c'est sympa. Allez on s'en va faire le prochain lieu. D'accord. Ok, ça on connaît. On a l'habitude, il y avait ça avec l'event au Monodragon il n'y a pas longtemps, je crois, si je me trompe pas. Mon coco. Non, 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 avec le festival du Winless Fest à Liyue là. Ouais, le nom il est chiant. Je sais pas si j'ai bien dit ce que je dis. Voilà. Allez, dégagez de là, vous. Parfait. On récupère encore un peu tout. Plus les particules elles reviennent direct, du coup c'est plutôt simple et efficace. Voilà. Ouais, feu d'artifice. Le prochain. Bon, ça c'est un peu le truc. On va dire que ça donne des récompenses en plus. Mais dans tous les défis qu'on a eu en plus depuis le début, c'est pas incroyable. Comme le truc à la barge en vrai. Un truc assez simple qu'on retrouve un peu partout. Mais ça rajoute des récompenses qui sont pas si longues à faire. En vrai, c'est pas la cata, c'est pas long, c'est pas spécialement chiant non plus en vrai. Du coup, ça va. Ah,
Voilà. Nickel. Bon, ça c'est fait encore. Non, c'est censé être le dernier normalement. Bon, on se retrouve ici à Liyue. Mais oui, ils se connaissent même pas, genre ils se connaissent juste de vue. Et juste que l'autre qui a la haine. Juste que l'autre qui a le seum, c'est tout. Hein. Bah oui, voilà, mais bon. Voilà quoi. Bah ça doit être l'habitude ça aussi. Mais voilà, on a fait celui-là. Du coup, moi je trouve ça bien que ça s'habille le prochain grand sage là, le grand maître, je sais pas quoi là. Moi je trouve ça bien que ça soit lui. Ouais, bah oui, c'est lui le prochain. C'est ce qu'ils ont dit. Bah si, c'est ce qu'ils ont dit. Oh, ça fait très sous-entendu que c'est lui qui va l'être, moi je trouve. Hein. Pourquoi j'ai pas où? Bah je sais, mais je trouve de comment ils l'ont dit, ça faisait très bon, à moins que ce soit lui, tu vois. Moi je trouve que c'est comme ça qu'ils vous ont voulu dire. Bah là il gagnera un peu plus. Ouais. Oui. Oui qu'il allait pas. Bah oui, bah lui, bah il est bien lui. Hein. Descends toi. Tu descends. Allez, quand tu veux. D'accord. Viens, prends-toi ça dans tes dedans. Voilà, ça c'est fait. Continue. Oh désolé les gens, quand même temps je suis avec mon pote. Parle. En faisant comme il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, bon au moins ça comble un peu plus simple, un peu plus facilement. Voilà. On prend les petits comme ça. C'est mieux, ça me fait des livres, j'en avais besoin. Hein. Que là il y a des persos et tout qui vont arriver. Voilà, on prend bien le vent comme ça, on prend ça qu'on parlait tout à l'heure qu'on avait raté. On va jusqu'au bout, voilà, on est censé aller jusque là, je pense que ça suffira. Voilà, ils vont être là. C'est compliqué à charger un peu. Ok, ouais. Ils ont du mal à spawn les mobs là. Voilà. Vas-y, bam, feu. Bah écoute, on va faire un ult, hein. Voilà. Oh lui il est chiant. Vas-y, enlève-toi avec ton chien. Voilà, nickel. Moi je récupère tous les loot. L'autre il est tombé. Je vais reprendre son loot après. Est-ce que. Moi je pense que c'est la fin là, non? Il y a une suite? Non, ça a l'air d'être fini. Et les petits fous ici, on va bien se les faire tranquille. Oh méchant, va vilain, vilain pas bon. Voilà, ok, là c'est bien. Quand ça veut, ça respawn. Hein. Voilà, merci bien. On mettra notre ult à la vague d'après. Mais moi je vais pas du tout. En vrai, je devrais les mettre, on gagnerait du temps. Oh, ça l'a pas touché, vilain. Voilà. On récupère un peu tout ça en même temps. Il n'y a pas de feu d'artifice cette fois. Bon, deux nazes, va. Ils ont pu faire un effort, hein. Bon, ça, il n'y en a pas là. On vote bien haut. On va bien, voilà. On va pas rater les trucs là. Après, ça va être un peu long à faire la traversée. Ah oui, mais je suis pas assez haut là. Mais encore une fois, je peux pas. Ça fait deux fois quand même, hein. Ah si, c'est bon. Attends, le vent, il apparaît trop tard aussi. Okay, nickel. On va y arriver ici. Vas-y, venez ici. Ah, c'est un peu long à spawner. Hein. Ah, c'est la difficulté de la play. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, contre les couteaux là. Non, mais attends, je vais pas mettre un 34 au couteau. Voilà. Non, on va attendre qu'elle la vague après respawn. Mais là, ça sert à rien. Voilà. Bon, vas-y, là, on peut. Vas-y, là, il y en a un peu plus. Il y en a 5. Voilà, parfait. Bam. Ok. On passe dedans. Bon, c'est un peu longué là quand même. Je préférais à Inazuma.
À l'IB, je veux dire, parce que. Comme c'est un peu plus petit, l'IB, bah, les trucs là, c'est moins long pour passer d'un chemin d'un endroit à l'autre. Du coup, là, c'est un peu longuet. En plus, le temps, à chaque fois que ça respawn. C'est pas. Et là, voilà, 10 ans! Voilà, nickel. Attends, on défonce aussi. Oh, ça, y a pas la portée là non plus. Putain, c'est bien, y'a plein de choux. Non, mais c'est pas les choux du désert, du coup, on s'en fout. Enfin, forcément, on est pas dans le désert. Et voilà, on a fini le nivelage. On a encore bon stat. Hein. C'est dommage de pas avoir fait tout le festival de l'IU à l'IB, mais bon. C'est pas grave. Voilà, après le prochain. En vrai, ce que j'aime bien avec ce truc là, c'est que ça donne un peu de livres d'XP. Comme on est pauvre en niveau d'XP, bah je suis pauvre. Bah je suis à 400, mais 400. 400, ça, moi je suis à 400, mais 400 ça monte un perso aux gens, pas grand chose. Hein. Bah c'est un perso 400. Hein. Du coup, pourtant, quand on avait fait les nuages, j'ai fait que ça, hein, j'ai même pas fait une seule fois de l'argent. C'est pas comme si. Bon. C'est ça qu'il faut que je tue? Ah ouais. C'est en or là? C'est un délire, hein. Mais j'avais pas l'impression qu'un vrai s'en demandait autant. Comment on peut s'en rendre compte que maintenant? Comment ça? Depuis quand toi, quand t'as un perso, tu me l'es pas à fond instant déjà? Moi je le monte pas, hein. Moi je veux pas le monter, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que déjà pour enlever les trois derniers niveaux, on peut revenir à 100. Facile. Et si on enlève ça, on peut revenir à 70-80. À peu près. Bah ouais. Après moi je sais que. Moi je sais que c'est le tout combo est bien. Des fois pour le kiff, tu vois. Ouais. Après en vrai moi je vais bien le farmer. Pour parce que ceci les aptitudes de Niliang, tu vois. Et ça me ferait pas de mal de se monter ses aptitudes. Parce que pour les moments un peu toi là comme dans le loup, bah c'est bien d'avoir un portail qui fait 20 000 de dégâts et pas 400. Comment il fait 400, hein? C'est bon. Je te jure, moi il fait que. Ah, pourtant elle est pas bon, elle est pas build et tout. Bah elle est pas à poil, mais elle est pas non plus bien habillée. Mais ça c'est fait. Et maintenant on va pouvoir prendre Yao Yao. Oui. 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 Trop bien. Bon, et ben voilà YouTube, donc nous avons fini les épreuves en coulisses de l'événement sous les carillons de l'esquisse nuit, qui je trouve étaient franchement de bonnes épreuves. Bon, en vrai, c'était du combat simple, mais on faisait 3 combats, 3-4 combats. Même après, bon, quand on était à Sumeru, c'est un peu plus long parce que les trajets étaient plus longs, comme Sumeru et la région la plus grande, elle est vachement grande, du coup, pour aller d'un endroit à l'autre, c'était un peu plus long. Mais sinon, en vrai, c'était cool, c'était pas dur. En plus des bonus, ça donnait un peu de niveau d'XP et de matériaux d'XP aussi pour les armes. Moi j'en ai pas besoin, mais j'en ai besoin. Mais les trucs d'armes, beaucoup de gens peuvent en avoir besoin, du coup en vrai c'est vraiment cool. Et en vrai l'épreuve était simple et efficace, moi ça me va. Moi les trucs comme ça, quand c'est comme ça et que c'est pas super court, que ça donne les récompenses que ça doit donner et tout, moi je trouve ça vraiment ok. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ça en commentaire et également de la vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le like. J'étais en live sur Twitch quand j'ai fait la vidéo, donc si jamais, bah, comme tout l'event, donc si jamais vous voulez me suivre pour pas tout papoter avec moi, je suis en ce moment ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, le lien est en description si vous avez besoin d'aide aussi. Et si vous avez une suggestion, une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire.
Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Plus plus.